Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis de la semaine 10 Rébellion de Fortnite saison 2 chapitre 3. Alors, le premier défi va vous demander d'établir une liaison près de l'appareil du sanctuaire. Alors, les emplacements des appareils près du sanctuaire, il y en a 3 au total. Donc, il y en a un qui se trouve plus ou moins par ici. Hop, plus ou moins par ici. Il y en a un autre qui se trouve sur la montagne plus ou moins par ici. Et il y en a un autre qui se trouve près de la plage, plus ou moins par ici. Donc moi, je vais me rendre à celui qui se trouve ici. Voilà. Et je vais établir la liaison pour terminer la première étape du défi. Donc là, regardez en haut à droite de mon écran. Normalement, il y a un symbole de réseau qui va apparaître. Donc voilà, le logo est apparu. Il est juste là. On peut le voir de toute façon en dessous de moi. C'est le petit truc bleu à côté du coffre. Donc ce que vous allez devoir faire pour terminer la première étape du défi, c'est tout simplement passer sur cette liaison pour établir la liaison. Donc voilà, comme ceci. Et là, vous aurez terminé la première étape du défi. Ensuite, le deuxième défi va vous demander de connecter l'onirisme à un haut-parleur au sanctuaire. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre au sanctuaire. Au total, il y a 2 haut-parleurs que j'ai trouvés. Donc normalement, vous avez juste à interagir avec un seul haut-parleur pour terminer le défi. Donc là, regardez juste ici. À droite du sanctuaire, en plein milieu de ces petits bâtiments-là, il y a un haut-parleur. Donc vous allez devoir interagir juste ici sur ce boîtier pour connecter l'onirisme à cet haut-parleur et normalement ça terminera le défi. Donc au cas où il faudrait connecter l'onirisme à 2 haut-parleurs, je vous montre le deuxième emplacement. Donc c'est plus vers la gauche, ici au milieu, à l'intersection des chemins, juste ici, il y a un deuxième haut-parleur. Donc pareil, vous vous rendez à cet emplacement, vous connectez l'onirisme à l'haut-parleur et vous terminerez le défi, ce qui vous débloquera les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'établir une liaison avec l'appareil près de l'impacteur ou de la forteresse. Alors, il y a 2 possibilités d'emplacement de liaison, donc d'appareil de liaison. Donc, il y en a un qui se trouve à la forteresse, plus ou moins juste ici. Voilà. Et il y en a un autre qui se trouve à l'impacteur, donc en dessous de l'impacteur, plus ou moins par ici. Donc moi, je vais aller à celui qui se trouve en dessous de l'impacteur. Donc c'est parti. Quand je vais m'approcher de l'appareil de liaison, il y aura un petit logo avec une sorte de réseau comme ça qui va s'afficher. Donc en plus, de toute façon, on peut le voir, il est au pied de l'arbre et le logo s'est bien affiché en haut à droite de ma map. Donc là, j'ai juste à me rendre à cet emplacement. Ensuite, pour terminer la première étape du défi, il faudra que je mette un pied sur la liaison pour établir la liaison. Donc comme ceci. Voilà, dès que ce sera fait, vous aurez terminé la première étape du défi. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'obtenir les clés de contrôle de l'arme de l'Apocalypse à des lieux de haute sécurité de l'IO. Alors, pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre soit à l'impacteur ou soit à la forteresse. Donc, il y a 2 emplacements possibles. Donc, soit ici apparemment, plus ou moins, et un autre emplacement qui se trouve plus ou moins par ici. Donc, je vais me rendre juste ici parce que je suis déjà à l'impacteur. Et on va aller voir où se trouve cette petite clé. Donc peut-être que s'il y a la clé... Moi au début je pensais qu'il fallait que je tue des gardes de l'IO. Mais peut-être qu'il ne faudra pas les tuer. Non parce que regardez, il y a un point d'exclamation qui a apparu près du van de rétablissement. Donc à mon avis, la clé doit être quelque part par ici. Bon là je la vois pas. Peut-être qu'en fait il faut... Non en fait il faut que je tue le boss en fait. C'est vrai, c'est ça, ça doit être ça. Il faut tuer le boss pour débloquer la carte, c'est sûr et certain, je crois. Donc on va essayer, on va tuer le boss. Hein. Alors je me suis fait tuer à l'impacteur, donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller à la forteresse et regarder la clé d'activation de contrôle est juste ici en fait. En fait, il ne fallait pas tuer le boss, il faut juste aller ici, à la forteresse, vous récupérez la clé de contrôle. Donc il faut une deuxième clé, donc là je vais vous montrer celle de la forteresse. Je pensais qu'il fallait tuer absolument le boss, mais en fait non. Il faut juste aller récupérer la clé qui est posée au sol, mais... Quand j'étais à l'endroit de l'impacteur, je ne l'ai pas trouvé. Donc, comme il y avait le boss, moi j'ai cru que c'était lui qui l'avait sur lui. Mais en fait, je me suis trompé. Donc là, je vais me rendre à la forteresse, à l'impacteur plutôt. Et normalement, la clé devrait se trouver plus ou moins par ici. Donc on va aller vérifier ça tout de suite.
Alors, je vois le point d'exclamation, mais je ne vois pas la clé. Ah si, c'est bon, elle est là. Elle est juste ici, en dessous du pont. Donc, vous la récupérez et dès que vous l'aurez récupérée, ben là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'établir une liaison avec l'appareil près de l'état-major enfoui. Alors, il y a trois possibilités d'emplacement. Donc, il y a un emplacement qui se trouve plus ou moins par ici. Voilà. Il y a un autre emplacement qui se trouve plus ou moins par ici, donc sûrement près de l'eau. Et il y en a un autre qui se trouve près de la rivière, donc plus ou moins par ici, vers l'intersection, enfin vers la route. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre près de cet emplacement-là, parce que ben, je pense que ça va être le plus simple. Donc je regarde en haut de mon écran, je cherche le petit logo de réseau. Donc voilà, là, il vient d'apparaître. Donc je le vois, il est entre les deux sapins, ben, comme d'hab en vrai. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre à cet emplacement, je vais établir la liaison. Et comme ça, ben, j'aurai terminé la première étape du défi. Donc c'est pareil, hein, vous faites pareil, vous allez ici, vous passez sur la liaison. Et là, vous aurez terminé la première étape du défi. Ensuite, le prochain défi va vous demander de couper le courant sur les panneaux de contrôle à l'intérieur de l'état-major. Alors, pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre à l'état-major enfoui et passer par le même chemin que je vous montre dans le gameplay, parce que ce sera le plus simple. Donc ici, quand vous arrivez près des escaliers, ce que vous allez faire, vous allez tourner à gauche des escaliers. Ensuite, vous allez prendre la première porte ici, vous allez arriver dans des couchettes. Là, il y a une petite bouche d'aération, vous allez rentrer dans cette bouche d'aération. Ensuite, vous allez ressortir par ici et regardez, juste ici, il y a déjà un panneau de contrôle d'alimentation de l'état-major enfoui. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est soit le détruire ou soit interagir avec pour couper l'alimentation de l'état-major enfoui. Alors il y a trois panneaux au total, donc je ne sais pas si vous devez interagir avec les trois, mais je vais vous montrer l'emplacement des trois. Donc ici, ensuite, quand vous avez interagi avec celui-là, ben, vous ressortez, vous refaites demi-tour, vous repassez par ici. Et là, vous allez revenir près de l'escalier et vous allez monter l'escalier. Ensuite, vous allez passer par la droite, la première porte à droite, ici. Vous allez prendre la petite bouche d'aération juste ici. Et là, regardez, il y a un deuxième panneau de contrôle qui est juste ici. Donc, vous allez le détruire ou interagir avec. Et ensuite, vous allez vous diriger vers le troisième panneau. Donc, vous repassez par ici, vous allez là. Vous ressortez par cette petite bouche d'aération. Là, vous allez continuer ici, prendre la porte de gauche. Et vous allez continuer tout simplement jusque là-bas. Et quand vous arrivez ici, près des PC à droite, il y a une bouche d'aération, vous rentrez dedans. Ensuite, vous allez ici et là, vous repassez par ici, par la petite bouche d'aération. Et regardez, il y a un troisième panneau de contrôle. Donc voilà, normalement, je ne sais pas si vous allez devoir interagir avec les trois, mais normalement, c'est possible. Donc quand vous aurez interagi avec les trois panneaux de contrôle, là, ben, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'établir une liaison avec l'appareil près de l'état-major enfoui. Alors pour réaliser ce défi, il n'y a qu'une seule solution, c'est de vous rendre juste ici sur le gameplay. Donc la liaison se trouve uniquement ici. Donc d'habitude, il y a trois liaisons de disponibles, mais là, il n'y en a qu'une seule. Donc vous allez devoir vous rendre près de cet emplacement. Et là, normalement, je devrais voir le logo liaison apparaître. Voilà, il est ici, voilà. Il est juste ici à côté de l'aération, là. Donc vous vous rendez à cet emplacement, ensuite vous passez sur la liaison pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'insérer les clés de contrôle dans l'holotable à l'intérieur de l'état-major enfoui. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre à l'état-major enfoui. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais passer par ici. Hop. Ensuite, quand vous êtes ici, regardez bien où je vais me rendre. Donc ça, c'est l'état-major enfoui. Moi, je vais me rendre sur la gauche de l'état-major enfoui, de la position actuelle où je suis. Et regardez, juste ici à côté de la foreuse, il y a un petit passage. Donc vous allez tout simplement suivre ce passage. Ensuite, vous allez aller sur la gauche. Et là, regardez, il y a une porte que vous ne pourrez pas ouvrir. Donc pour rentrer, pour passer cette porte, vous allez devoir passer par le conduit d'aération qui est juste à droite. Voilà, vous passez par ici. Et ensuite, vous ressortez juste ici. Et là, vous allez arriver dans une pièce secrète où il y a l'holotable avec deux emplacements de clés de contrôle. Et ce que vous allez devoir faire, c'est placer une clé de contrôle à gauche, donc juste ici, et une clé de contrôle à droite, donc juste ici. Dès que vous aurez placé les deux clés de contrôle, normalement, il y aura une petite animation qui va se passer et vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et pour finir, le dernier défi va vous demander d'activer l'holotable à l'intérieur de l'état-major enfoui.
Alors, pour activer l'holotable, ce que vous allez devoir faire, je pense, c'est d'activer le générateur qui sera juste ici. Donc, comme je fais la vidéo en avance, c'est possible que je me trompe, mais je pense réellement que quand vous allez activer le générateur juste ici, ça activera la table, l'holotable, et là, il y aura une animation qui se passera et vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et voilà qui termine le guide complet des défis Rébellion de la semaine 10 de Fortnite saison 2 chapitre 3. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace.